Tu vois, tout dépend de ce qu'on fait de son profit. Si par exemple, je sais pas vous, vous êtes donc vous conduisez un gros camion, vous livrez des voitures, et imaginons qu'un jour vous gagnez beaucoup de temps. Vous voyez, parce que vous avez pris un raccourci, ou bien parce qu'une affaire s'est un peu mieux réalisée que vous y attendiez, vous gagnez 2 heures de votre temps. Vous voyez, vous avez gagné 2 heures. Vous pouvez en profiter 2 heures pour vous. Vous voyez? Vous pouvez faire 2 heures de sieste hein, dans votre camion là. Oui. Ou bien vous pouvez décider ce que vous avez décidé ce matin, d'après ce que j'ai entendu. Vous avez un peu de temps et vous avez décidé de nettoyer ma voiture. Oui, ça c'est très sympathique. Donc vous faites quelque chose pour quelqu'un. Avec vos 2 heures, vous prenez 1 heure de sieste et vous faites 1 heure de travail pour quelqu'un d'autre. Vous rendez un service à quelqu'un. Donc le profit. Vous en profitez, mais en même temps, vous faites profiter quelqu'un. Et c'est comme ça pour tout profit, hein, que ce soit un profit d'argent, par exemple, quelqu'un qui semble profiter pour lui, mais qui en même temps, à un endroit, en fait profiter d'autres. Ça commence en général par sa propre famille. Et ensuite, il y en a qui font profiter leurs amis, et il y en a qui agissent encore de façon plus large. Vous voyez? Et ce profit. Il est remis à disposition, partiellement en tout cas, hein, et ça c'est important. Et ensuite, ce sont simplement les lois des différents systèmes qu'il faut essayer de comprendre et dans lesquels il faut fonctionner. Dans le système commercial ou bien financier d'aujourd'hui ou politique d'aujourd'hui, il y a des règles et qui ne sont pas toutes bonnes, hein, mais ce sont les règles de ces systèmes. Et dans un premier temps, il faut être quelqu'un qui est adapté. Et qui s'adapte à ses règles, dans un premier temps. Et quand quelqu'un est passé expert ou vraiment maître dans un domaine, dans un de ses domaines, il peut commencer à partir de ce qu'il est et de l'expérience qu'il a à impulser des changements. Mais il faut qu'il soit passé expert dans son domaine. Et on ne peut passer expert dans un domaine et donc devenir créateur ensuite, hein, qu'à partir du moment où on s'est d'abord plié au principe du système. Dans lequel on est. On est né ou bien on est entré, on a été accepté, on a été nourri par ces systèmes en général, nourri de nombreuses façons, hein, intellectuellement, physiquement, émotionnellement. Et d'abord, il faut avoir la gratitude envers ces systèmes et respecter leurs règles. Et c'est seulement lorsqu'on est passé maître dans un domaine ou expert qu'on peut commencer à introduire des changements. Sinon, c'est le chaos dans les systèmes et c'est toujours beaucoup de blessures dans les systèmes. Une journée.